On est Père du Fils, Saint-Esprit, à ce chapitre-là. Récitons ce chapitre comme si c'était le premier et le dernier de notre existence. Le Père, Dieu, le Père, tout puissant, Père du ciel, de la terre, et en tant que Christ, en fait, notre Seigneur. Père Marie, la souffrance, on pense qu'il y a un tête qui s'y fie, et la voix, qu'est-ce que nous nous pensons de nous maintenir, pour nous nous avons décidé de nous avoir en tant que ciel, et parce qu'il y a un peu de temps, nous avons un peu de temps, le roi de Saint-Esprit, la Saint-Église, que je dis que le premier de sa rage sur les péchés, la vie de la chair, la vie de la sortie. Notre Père, que je suis, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit fait sur la terre comme le Saint. Donne-nous aujourd'hui notre pain, ce que je veux, pardonne-nous, France, nous pardons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais au mal, ainsi soit-il. Nous saluons Marie, fille de Dieu le Père, nous saluons Marie, pleine de grâce, Seigneur, avec vous, bien bénissant pour toutes les femmes, que je vous prie, vos enfants, et vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nous saluons Marie, Mère de Dieu le Fils, nous saluons Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le Fils, vos enfants divins. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nous saluons Marie, épouse de Dieu, Saint-Esprit, nous saluons Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Très bien, toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Grâce à ton Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il est commencement, maintenant et toujours, en tous les siècles, le Seigneur soit-il. Pardonnez-nous, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne vienne, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous demande aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme pardonnez-nous nos offenses. Et ne laissez pas succomber à notre passion, qui vous est mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Grâce au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il est commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Pardonnez nos péchés, pardonnez-nous nos fautes, comme nous pardonnons aux siècles qui nous ont fait tomber, nous pardonnons aux siècles qui nous ont fait tomber. Nous aimons le Seigneur glorieux, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, le ministère, le désir du ciel, le détachement des choses de cette terre. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Ô Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes qui tombent à nous. Nous voulons spécialement toutes celles qui ont le plus de grâce à notre Sainte Miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, pécheurs. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte, fruit du mystère et sang du Saint-Esprit dans nos âmes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il est pour nous, en soi, maintenant et toujours dans tous les siècles du siècle. Ô Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel notre misère de l'enfer. Dieu seul, Seigneur, pour ô Marie, conçue sans péché. Priez pour nous, pécheurs, maintenant et à quatrième mystère glorieux, l'ascension à sa première Marie en ciel. Premier mystère, la grâce du bonheur et la persévérance. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles du siècle, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, toutes les âmes celles qui ont besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous pécheurs, Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la Vierge Marie dans le ciel. Premier mystère, le couronnement de l'émotion de la Vierge Marie. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
28. Alors, pour les fêtes, on prend qu'il y a les 8, sauf si vous connaissez quelqu'un de Saint-Germain. Et ça va comme ça. Je n'en prends celui-là, il est très bon. Vincent. Alors on prend le 9, c'est celui à Saint-Germain, spécifiquement. Bon, j'ai hésité d'expliquer le vitrail pendant le sermon avant la messe. Peut-être qu'il vaut mieux l'expliquer avant la messe. Bien, c'est un vitrail qui est finalement la moitié d'un vitrail, mais l'autre, il est perdu. Alors, c'est très intéressant parce que ce qui est au-dessus, c'est la Sainte Vierge Marie qu'on voit dans le ciel, assise sur le trône. Mais ça, c'est la partie qui est sur terre. Je vais pour l'occasion aller là, s'il vous plaît, si on ne voit rien. Je vais revenir tout de suite. Hein. Alors, ce que vous voyez, c'est le tombeau vide de la Sainte Vierge Marie. C'est un tombeau. Et il y a des fleurs dedans, donc elle est vide. Et ce que j'ai dit récemment, là, l'histoire, hein, c'est qu'ils ont enterré la Sainte Vierge Marie à 70 ans, elle est morte, décédée. Et alors, Saint Thomas, qui se trouve à droite, là, qui est à genoux avec l'Église de la main, il n'était pas présent à l'enterrement, parce qu'il venait de loin, il était en Asie, très loin. Il est venu trop tard, et il est venu après 3 jours, et il a demandé la permission à Saint Jean, et Saint, qui est debout là, c'est le plus jeune qui est debout là, devant le tombeau qui tient la corde qu'il trouve de la Sainte Vierge Marie dans le tombeau, il trouve encore une relique de la Sainte Vierge Marie. Enfin, son habillement, il y a donc son linceul et encore une ceinture. Et à gauche, il y a Saint-Pierre qui est agenouillé. Donc, il reçoit la permission de Saint-Pierre et de Saint-Jean qu'on ouvre le tombeau pour qu'ils s'y voient la Sainte Vierge Marie, dont le cœur n'est certainement pas corrompu, parce que c'est dans le texte que Dieu ne laisse pas à la corruption le cœur de son juste, de son saint, de sa sainte, cette fois-ci. Et là, il y a les autres apôtres qui sont là. Il y en a 4, parce que bon, il ne faut pas mettre les 12 apôtres. Il y a certainement Saint Paul, là, avec sa barbe longue, et d'autres apôtres. Il est plutôt chauve, hein? Donc Saint Paul est présenté chauve avec une barbe. Et les autres sont d'autres, voilà, les autres apôtres. Il y a tous les apôtres sauf Jacques le Majeur qui est déjà décédé, le martyr. Donc avec Matthias qui remplace Judas et Saint Paul, il y a encore 12 apôtres. Parce qu'il y avait 13 avec Saint Paul. Et donc il y en a un qui est décédé, il y a 12 apôtres. Mais il n'y en a que 5, 6, 7. 7, parce que wow, le vitrail n'était pas trop assez grand pour montrer les 12 apôtres. Donc on voit les apôtres qui regardent en haut, parce qu'ils ont vu le tombeau vide, ils ont compris que la Sainte Vierge Marie, comme Jésus, est allée au ciel corps et âme. Et il y a des roses qu'on voit, les fleurs dans le tombeau, c'est qu'il y a une odeur de rose qui sortait du tombeau. Et il y avait le chant des anges qui se faisait entendre.
Donc, dès le début, l'Église sut que la Sainte Vierge Marie a été prise enfin, par Dieu. Elle n'est pas montée comme Jésus-Christ par sa propre force, mais par la force divine, elle a été assumée, assomption au ciel et installée dans le ciel pour l'honorer comme reine. Voilà. Donc, c'est la partie la plus importante parce que sans la Sainte Vierge Marie, eux, ils n'ont pas vu non plus. Hein. Ils n'ont pas vu, donc voilà, on est comme eux. Ils regardent le tombeau qui est vide et en même temps le ciel, les autres regardent le ciel. Par la foi, ils savent qu'il y a la Sainte Vierge Marie. Parce qu'en ce moment-là, qu'ils regardent, elle ne va pas au ciel. Ils n'ont pas vu aller au ciel la Sainte Vierge Marie comme Jésus-Christ. Ils ont tout simplement, après 3 jours, trouvé le tombeau vide. Voilà. Donc, c'est un vitrail de l'Assomption à la Sainte Vierge Marie. Ça tombe bien. Je l'ai reçu d'une fidèle qui connaissait un prêtre, qui avait ça chez lui et il ne savait pas quoi faire. C'est un prêtre en retraite. Et puisque voilà, il avait quand même un certain respect pour la messe tridentine, il m'a donné ce vitrail, encore d'autres choses, et voilà. Et c'est un vitrail restauré parce qu'il a été cassé, donc il est restauré, ça coûtait cher. Le vitrail en soi, il est très cher parce que c'est l'ancienne technique. Et ensuite, la restauration aussi, ça coûtait cher. Mais moi, je l'ai reçu gratuitement. Donc, et maintenant, ça tombe très bien, ça va dans la fenêtre. C'est juste la mesure de la fenêtre à peu près, donc ça va très bien ici. Voilà. Donc... Ça tombe bien que maintenant je peux l'installer parce que à l'Ost, c'est un centre que je dois quitter et que je peux mettre le vitrail maintenant à la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Merci. Idio preco beata Maria, sempre vicino a te, che lo mattangi mio, che sa sempre forse aspetta me paloma, o me sa sempre forse fatto da per me da me di amore. Amen. Amen. Il est au pécor Bête Maria, Saint Père Virginie, Bête, Mika, Archangelum, Bête, Mille, Bertistam, sans que ce soit sur ce patron et pour nous, en disant que ce n'est pas fait. Et va faire vos omnipotences et miséricorde en Dieu. Amen. Dieu se converte sur celui du cœur de sens. Et fait l'espoir de ta volonté. Enseigne-nous le domine et miséricordia pour vous. Et c'est le travail de notre vie. Domine exemple et oration de l'avenir. Et que la mort nous soit bénie. Domine nos traditions. Et qu'on soit être toujours au monde.
Seigneur, ma gloire, parle de tes chèvres, mon lien avec ta santé, et l'on a soupé de vos saillons, et une cavité, je crois, c'est la ronde de chèvres. Cantat de l'homme, cantez comme moi, comme il a dit, il a fait chèvres. Gloria, pâte, filmo, espérez tous les saintons, c'est côté la biblique, puis à l'autre, sa mère, et une sécola, c'est pour la romane. Si nous manions ma part, oui, t'es chelou, mouillé avec tes soleils, et l'on a soupé de vos aïeux, et les capitaines pour la salade de nos vêtements. Spiritu, in gloria Dei Patris,
Dominus vobiscum, et cum spirito tuo, oremus, omnipotens sancte benedictus, immaculata virgine Maria, filii tui, corporeta anima, na, a celeste gloria, a successi, concede quesumus, ut a supera semper intenti, ipsius dodie media amare se consapes, et l'homme d'âme à notre fils, nous sommes filles, nous sommes filles, nous sommes filles, nous sommes filles. Vite et confie, vite et l'homme est à l'âge, vite et l'homme est à l'âge, et l'homme est à sécola, sécolo, Amen. Amen. Lexio, libri, iudis, benedixime dominus, in vitu de soa, via perdi ad niculum de destinimicos, Nicos nostros, benedicta est tu filia, ad domino Deo exensum, pri omnius mulieribus super terra. Benedictus Dominus, tu creator caelum et terram, qui te direxit in vulnera capitis principis inimicorum nostrorum, quia utie nomen tuum ita magnificari, ut nun recidat nostra Deo Domino, qui memores fuerint virtutis Domini in aeternum, pro quibus non persisti anime tue propter angustias et tribulationem Jesus tui, sed sub felisti rubine ante conspectum Dei nostri. Tu gloria erudem, tu letitia iustarem, tu glorificentia propri nostri. Deo gratias. Adi filia vidi, et inclinare tuam, et loco peccet ex fortitudinem tuam. Tuta decora ingeritus filia leges, texturiore sunt amictus eius. Alleluia, alleluia. Assumptes Maria in cielo, godet exercitus angelorum, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spirito tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Unido tempore, legged la spiritu sancto Elisabeth, et exclamavit, voce magna et dixit, benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui. Et in hoc mihi, ut fiat mater Domini beat mei, et cine, ut facta est vox salutationes tui in oribus meis, exultavit in gaudio infans in utero meo. Et beata quae credisti, unam perficiente rea, quae dicta sunt tibi ad Domino. Et ait Maria, magnificat anima mea ad Domino. Et exultavit spiritus meus in Deus salutari meo, quae respectit humilitatem ancillae suae. Et cinim ex hoc beata medicent omnes et generationes. Quia fecit mihi Maria qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordeus apogenium progenies timentibus eius.
Christine et Christe. Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Donc aujourd'hui, l'Assomption de Notre Sainte Vierge Marie, fête d'obligation, donc l'assistance de la messe, vous êtes là, et aussi défense de cerveau, des travaux serviles, c'est un jour de repos, je sais pas, et de fait de religion, de prière, de méditation, de bonnes œuvres, détente. En France, la Sainte Vierge est honorée en ce jour comme patronne principale. Donc, il y a le vœu de Louis XIII de consécration de la France à la Vierge Marie pour la France, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, je vais vous le lire parce que vous êtes tous ici français, n'est-ce pas? Il n'y a même pas un Belge. Présent, il me semble. Non, vous êtes tous français. C'est bien pour la France, c'est pas bien pour la Belgique. Hein. Les pauvres Wallons, il faut qu'ils se convertissent. Alors, demain, c'est le Père de la Sainte Vierge Marie et le grand-père de Jésus-Christ, Saint Joachim, très grand saint aussi. Samedi, Saint Hyacinthe, confesseur. Et dimanche prochain, donc 13e dimanche après la Pentecôte. Donc, comme d'habitude, c'est bien, surtout maintenant que la France tombe encore de plus en plus bas avec les Jeux olympiques sataniques, n'est-ce pas? L'ouverture des Jeux olympiques, c'était une moquerie avec la religion chrétienne. Abominable, n'est-ce pas? Exaltant le péché, crie vengeance. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et la cérémonie de clôture, c'était encore pire, d'une certaine façon. C'est un hommage à Satan. C'est clairement et ouvertement satanique, luciférien. Alors, ça va contre la vocation de la France et la grâce qu'elle a reçue. Et voilà, on va renouveler vous, moi avec vous, par providence, je suis votre prêtre, votre curé, n'est-ce pas? Je suis gaulois comme vous, je ne suis pas français, mais je suis gaulois quand même. La Gaule s'étendait jusqu'au Rhin, n'est-ce pas, à l'époque. Eh bien, et on profite tous de... Si la France prospère, toute l'Europe prospère, n'est-ce pas? Elle a une telle grande influence. Et c'est vrai que Dieu l'a utilisé comme instrument pour gérer le monde autant que possible. Mais il doit collaborer, justement. Alors, le vœu de Saint-Louis a été fait le 10 février 1638. C'est après le protestantisme auquel a échappé belle la France. Je crois qu'il y avait déjà des protestants, il y avait des protestants en France, mais elle est restée catholique. Elle a échappé
à l'anglicanisme en se détachant de l'Angleterre par une intervention divine de Saint-Jean d'Arc. Et au XVIIe siècle, la franc-maçonnerie, contre le diable, continue à faire évoluer la France et l'Europe vers le déisme, ça veut dire reniement de notre Jésus-Christ, vers la Révolution française, petit à petit, qui va arriver un siècle après. Hein. Mais Louis XIII, il a consacré la France à la Très Sainte Vierge Marie, et la Sainte Vierge Marie tient compte des consécrations qu'on lui fait. On tient compte nettement. Par exemple, en Belgique, il y a une province qui est consacrée à la Sainte Vierge Marie par l'évêque, et c'est là, par hasard, où moi j'étais installé, où mon sauveur est installé, c'est la seule province où il y a la messe tridentine convenablement. Ce n'est pas par hasard. Il y a le miracle de l'hostie, etc. Il y a aussi une grotte de Lourdes qui était une imitation, mais où il y a eu le plus grand miracle, n'est-ce pas, de la Notre-Dame de Lourdes, a lieu là. C'est le miracle de Pierre de Rudeur, qui avait la gangrène à sa jambe. Il a prié et le lendemain, s'était guéri totalement, n'est-ce pas? C'est carrément création de matière qui a eu lieu, n'est-ce pas? Il a pratiquement une nouvelle jambe. Et donc, ce n'est pas par hasard que ça arrive là, n'est-ce pas? Dans la province où c'est la seule province qui a été consacrée explicitement à la Sainte Vierge Marie. Ce n'est pas par hasard. Donc, le ciel tient compte des consécrations, et surtout la Sainte Vierge Marie, qui est maintenant, n'est-ce pas, mandatée par Dieu pour restaurer la chrétienté. Et on attend tous le triomphe de Marie, n'est-ce pas. En action de grâce pour la naissance d'un héritier, le futur Louis XIV, après 23 ans de mariage avec Anne d'Autriche, qui avait fait dire une ovaine pour demander un fils à Notre-Dame de grâce à Cotignac en Provence. Eh bien, Louis XIV, c'est devenu le roi soleil. On peut en discuter, si c'est bien ou mal. En tout cas, pas longtemps après, il y a la Révolution française. Hein. La bonne nouvelle, c'est que de cette lignée, selon toutes les prophéties qui en parlent, sortira le grand monarque, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas rien, ce vœu de Louis XIII. C'est le fondement de la restauration. Alors, on va tous prier avec lui et on va s'unir à ce roi, n'est-ce pas? Ce roi très pieux. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui se présentent, l'être verront salut. Dieu qui élève les rois au trône de leur grandeur, non content de nous avoir donné l'esprit qui départ à tous les princes de la terre pour la conduite de leur peuple, a voulu prendre un soin spécial et de notre personne et de notre état, que nous ne pouvons considérer le bonheur du cours de notre règne sans y avoir voir autant d'effets merveilleux de sa bonté que d'accidents qui pouvaient nous perdre. Lorsque nous sommes entrés au gouvernement de cette couronne, la faiblesse de notre âge donna sujet à quelques mauvais esprits d'en troubler la tranquillité. Mais cette main divine soutint avec tant de force la justice de notre cause que l'on vit en même temps la naissance et la fin de ses pernicieux desseins. En divers autres temps, l'artifice des hommes et la malice du démon ayant suscité et fomenté la division non moins dangereuse pour notre couronne que préjudiciable à notre maison, il lui a plu en détourner le mal avec autant de douceur que de justice. La rébellion de l'hérésie ayant ainsi formé un parti dans l'État, donc le protestantisme, qui n'avait d'autre but que de partager notre autorité, il s'est servi de nous pour en abattre l'orgueil et a permis que nous ayons relevé ces saints autels et tous les lieux où la violence de cette injuste partie
on avait ôté les marques. Quand nous avons entrepris la protection de nos alliés, il a donné des succès si heureux à nos armes qu'à la vue de toute l'Europe, contre l'espérance de tout le monde, nous avons rétabli en la possession de leurs États dont ils avaient été dépouillés. Si les plus grandes forces des ennemis de cette couronne se sont ralliées pour conspirer sa ruine, il a confondu leurs ambitions desseins pour faire voir à toutes les nations que, comme sa providence a fondé cet État, sa bonté le conserve et sa puissance le défend. Tant de grâces évidentes font que, pour n'en différer pas la reconnaissance, sans attendre la paix qui nous viendra de la même main dont nous les avons reçues et que nous désirons avec ardeur pour en faire sentir les fruits au peuple qui nous sont commis, nous avons cru être obligés, nous prosternant aux pieds de Sa Majesté divine, que nous adorons en trois personnes, à ceux de la Sainte Vierge et de la Sainte Croix, où nous vénérons l'accomplissement des mystères de notre rédemption par la vie et la mort du Fils de Dieu en notre chair, de nous consacrer à la grandeur de Dieu par son Fils rabaissé jusqu'à nous et à ce Fils par sa mère élevé jusqu'à lui. En la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre État, notre couronne et tous nos sujets, pour obtenir par ce moyen celle de la Sainte Trinité, par son intercession et de toute la cour céleste, par son autorité et exemple, nos mains n'étant pas assez pures pour présenter nos offrandes à la pureté même, nous croyons que celles qui ont été dignes de le porter les rendront hosties agréables et ces choses bien raisonnables qui ont été médiatrices de ces bienfaits et le soir de nos actions de grâce. À ces causes, nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre État, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis, que soit qu'ils souffrent le fléau de la guerre ou jouissent de la douceur de la paix, que nous demandons de Dieu de tout notre cœur, ils ne sortent point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire. Et afin que la postérité ne puisse manquer à suivre nos volontés, à ce sujet, pour monument et marque immortelle de la consécration présente que nous faisons, nous ferons construire de nouveau le grand autel de l'église cathédrale de Paris avec une image de la Vierge qui tienne entre ses bras celle de son précieux Fils descendu de la croix. Nous serons représentés au pied du Fils et de la Mère comme leur offrant notre couronne et notre sceptre. Nous admonestons le Sieux archevêque de Paris et néanmoins lui enjoignons que tous les ans, le jour et la fête de l'Assomption, il fasse faire commémoration de notre présente déclaration à la grande messe qui se dira en son église cathédrale et qu'après les vêpres du 10 jours, il soit fait une procession en la dite église à laquelle assisteront toutes les compagnies souveraines et le corps de la ville avec pareille cérémonie que celle qui s'observe aux processions générales plus solennelles. Ce que nous voulons aussi être fait en toutes les églises, tant paroissiales que celles des monastères de la dite ville et faubourg, et en toutes les villes, bourgs et villages du dit diocèse de Paris. Exhortons pareillement tous les archevêques et évêques de notre royaume, et néanmoins leur enjoignons de faire célébrer la même solennité en leurs églises épiscopales et autres églises de leur diocèse, entendant qu'à la dite cérémonie, les cours du Parlement et d'autres compagnies souveraines et les principaux officiers de ville y soient présents. Et d'autant qu'il y a plusieurs églises épiscopales qui ne sont point dédiées à la Vierge, nous exhortons les 10 archevêques et évêques, en ce cas, de lui dédier la principale chapelle des dites églises.
pour y faire la dite cérémonie et d'y élever un autel avec un ornement convenable à une action si célèbre et d'admonester tous nos peuples d'avoir une dévotion toute particulière à la Vierge, d'implorer en ce jour sa protection afin que sous une si puissante patronne, notre royaume soit à couvert de toutes les entreprises de ses ennemis qui jouissent longuement d'une bonne paix. Que Dieu y soit servi et révéré si saintement que nous et nos sujets puissions arriver heureusement à la dernière fin pour laquelle nous avons tous été créés, car tel est notre bon plaisir. Donné à Saint-Germain en Laye, le 10e jour de février, l'an de grâce 1638, et de notre règne le 28e, Louis XIII, qui a régné de 1610 jusqu'à 1643. Voilà. Amen. Ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles, je reviens à mon discours d'avant la messe sur le tableau, n'est-ce pas, du vitrail qu'on a ici. Eh bien, j'explique davantage. C'est surtout la source de cet événement, n'est-ce pas? C'est le père de l'Église, Saint-Pierre d'Amiens. Saint-Pierre d'Amiens. Attendez, c'est pas celui-là. Vous pouvez pas porter le. Je dis qu'il est sur la table, là, je pense. Oui, ça va être lui. Merci. Donc, Saint-Jean Damascène, putain, je ne vais pas me tromper. C'est Saint-Jean Damascène. Oui, Saint-Jean Damascène, voilà. Saint-Jean Damascène, c'est le père d'Église qui a donné tous les détails de l'Assomption. Alors, la tradition nous dit, nous apprend, que la Sainte Vierge Marie, n'ayant pas le péché originel, ne pouvait pas avoir de maladie. Bien sûr, elle pouvait vieillir, parce que toute matière s'use, et aussi le corps est en matière s'use, même la Sainte Vierge Marie, même d'Adam et d'Ève avant leur péché. Mais pour eux, il y avait l'arbre de vie qui les tenait en bon état. Et cet arbre de vie, on n'a plus d'accès à cet arbre de vie. Et la Sainte Vierge Marie, bien sûr, elle a vieilli, mais de mourir à 70 ans, c'est trop tôt pour quelqu'un qui a une santé extraordinaire. Donc elle n'est pas morte de maladie, ni de vieillesse, ni d'accident. Donc elle est morte parce que Dieu l'a voulu, n'est-ce pas? Elle est morte, disent les saints, par l'amour, n'est-ce pas? L'amour de Dieu qui a fait quitter son âme pour aller vers Dieu. Au moment que Jésus-Christ l'a décidé. Donc elle est morte par un amour extraordinaire. Donc Jésus, voyant les ardents désirs de sa mère, dit Saint Jean Damascène, sa mère bien-aimée, et voulant enfin la récompenser, lui députa un ange, probablement le même, le Saint Gabriel, pour la prévenir de sa mort prochaine. Avec quelle joie elle reçut l'heureux message et répondit de nouveau, « Voici la servante du Seigneur. » En même temps, d'après la tradition, rapportée donc par le même Saint Jean Damascène, tous les apôtres et les disciples furent avertis et selon toute la tradition, ceux qui étaient loin, transportés miraculeusement à Jérusalem, pour assister au bienheureux trépas de leur reine, sauf Saint Thomas, qui doit venir trop tard pour la raison que vous connaissez déjà maintenant. Tous étaient présents, excepté Jacques le Majeur, n'est-ce pas, déjà martyrisé, comme je viens de dire, et Saint Thomas,
qui vient de loin, qui était en Asie, qui était allé jusqu'au Japon, hein, surtout en Inde, mais en Chine et au Japon, on a trouvé des traces de saint Thomas. Qui dira la scène qui se passe alors? Avec quel amour ils entouraient leur bonne mère qui était en train de mourir? Et avec quelle tendre affection elle les bénit et leur fit ses dernières recommandations? Alors saint Jean Damascène ajoute que notre Seigneur lui-même descendit du ciel, escorté de plusieurs légions d'anges, afin de recevoir l'âme de sa très sainte mère. Lorsque Marie eut rendu le dernier soupir, n'est-ce pas, les anges, continue le saint docteur, remplirent les airs d'une délicieuse harmonie, comme au temps de la naissance de Jésus. Les apôtres, représentant toute l'Église, formés autour du corps précieux comme une couronne, fondant en larmes, baisant ses mains et ses pieds, admirant et vénérant ce beau tabernacle de la divinité, qui répandait tout à l'entour une odeur céleste. Après l'avoir vénéré, ils ensevelirent de leurs mains consacrées et firent des préparatifs de funérailles. Ils portaient eux-mêmes, donc les apôtres, le précieux fardeau, en chantant des psaumes et des cantiques, et ils allèrent déposer cette sainte dépouille dans un sépulcre tout neuf dans la vallée de Josaphat, auprès de Jérusalem. Les apôtres ayant rendu le dernier devoir à la mère des sauveurs, donc saint Jean Damascène, donc je suis saint Jean Damascène, ne pouvaient s'éloigner de son tombeau, d'autant plus qu'ils y étaient retenus par l'harmonie céleste que les anges y faisaient entendre. Le troisième jour en arriva saint Thomas, qui, désolé d'avoir pu assister au trépas de la Sainte Vierge Mère de Dieu, témoigna un désir si ardent de revoir encore une fois ses traits vénérés que Pierre et Jean, donc les apôtres les plus importants, consentirent à ouvrir le saint tombeau. Mais, ô merveille, comme autrefois dans celui de Jésus, il n'y restait plus que le linceul et les vêtements qui avaient enveloppé le corps de Marie. Celui-ci avait disparu et ne devait plus se retrouver nulle part sur la terre. Comme Jésus n'était resté que trois jours dans la sépulture, Dieu avait déterminé que le corps de sa mère, après trois jours aussi, ressusciterait et qu'elle entrerait tout entière en possession de la bienheureuse immortalité. Les apôtres, à la vue de ce prodige, éclatèrent en louanges, remerciant le Sauveur d'avoir de cette sorte glorifié sa Sainte Mère en chantant son sublime Magnificat. Voilà. Alors, il y a plusieurs raisons théologiques, n'est-ce pas? C'est que la Sainte Vierge Marie, par privilège, fut garantie de la corruption du tombeau, puisque par une précédente faveur, elle avait été exempte de toute corruption de péché. Alors, mais elle devait quand même subir la mort. Pourquoi? Parce qu'elle est venue pour expier les fautes d'Adam et Ève. Donc Jésus, un homme et une femme ont péché, un homme et une femme devaient réparer. Alors, le châtiment du péché, c'est premièrement la mort. Parce que Dieu a dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Et ensuite, il a ajouté la difficulté du travail. À la sueur de ton front, tu travaillerais. Et la douleur d'accouchement pour les femmes et d'éducation. Mais fondamentalement, le châtiment du péché originel, c'est la mort. Donc, pour expier ce péché, Jésus et Marie ont pris le châtiment sur eux. Jésus, en tant que personne divine, avait un mérite infini, et la Sainte Vierge méritant avec lui, n'est-ce pas, par un amour, union de cœur, et par son immaculée conception, une telle innocente, elle a beaucoup mérité avec Jésus. Et alors, elle devait mourir sans ne pas ayant le péché originel, quand même elle devait mourir parce qu'elle est venue pour expier le péché des autres.
Alors finalement, on constate que personne, absolument aucun humain, échappe à la mort. Même Enoch et Élie, qui ne sont pas morts, mais qui sont transportés dans le paradis terrestre pour revenir à la fin des temps pour contrecarrer l'Antéchrist, ils vont mourir le martyr après, même eux. Donc il n'y a absolument personne qui échappe à la mort. À la fin des temps, tout le monde va mourir par le feu et tout le monde ressuscitera et ce sera le jugement dernier pour tout le monde. Les vivants des morts, ça veut dire ceux qui sont morts depuis longtemps et ceux qui sont vivants à l'époque, à cette époque, mais qui mourront quand même par le feu, comme dit l'Écriture sainte. Donc la Sainte Vierge est morte, donc il fallait qu'elle meure comme son divin fils. Elle n'est pas plus que son fils. Mais c'est une mort, voilà, puisqu'il est la mère de Dieu, elle est innocente, c'est une mort spéciale, n'est-ce pas? Son âme a quitté son corps, ça c'est la mort, mais d'une manière, comme je dis, par un élan d'amour, n'est-ce pas, extraordinaire, qui a fait quitter l'âme, a quitté le corps et s'était lancé vers Dieu pour être uni avec lui totalement, n'est-ce pas? Parce qu'aussi longtemps qu'on est dans ce corps mortel, on ne peut pas voir Dieu. Pour voir Dieu, il faut un corps glorifié. Et pour avoir un corps glorifié, il faut une intervention divine spéciale. Et c'est donc, dans ce cas-ci, donc, la mort et ensuite la résurrection. Eh bien, ça a eu lieu le troisième jour qu'on vient de voir. Et ça a été toujours cru dans l'Église, n'est-ce pas? Dès le début, les apôtres l'ont vu, le tombeau vide. Mais ça a été déclaré par le pape, n'est-ce pas, de manière définitive en 1950. C'est le dernier dogme qu'on a eu d'un vrai pape. Voilà. Le dernier dogme. Avant la crise la plus extraordinaire qu'on ait maintenant. Donc c'est un dogme le plus important pour nous, n'est-ce pas? Et avec les apôtres, c'est très beau sous le vitrail. Justement, il faut aspirer, il faut attendre, il faut croire, il faut savoir, il faut attendre la revenue. Revenue la Sainte Vierge Marie, elle va revenir spirituellement avec son royaume, n'est-ce pas, établir son royaume, parce que Jésus veut un royaume sur terre explicitement par Marie. Il a régné 1000 ans, comme dit l'Apocalypse, 1000 ans sur terre, n'est-ce pas, son empire de 1000 ans a été fait dans le Moyen-Âge, disons du 5e jusqu'au 15e ou du 6e jusqu'au 16e, c'est à peu près 1000 ans. Il a régné sur terre, reconnu, le christianisme était reconnu par les États et par les rois, même si c'était encore plusieurs étaient pécheurs, il y a encore plusieurs saints. En tout cas, il était reconnu, il a régné sur terre pendant 1000 ans. Après, il y a eu la contre-attaque du diable dans laquelle nous sommes maintenant, tant d'apostasie jusqu'à maintenant. Et ensuite, à revenir, puisque le bon Dieu permet la mal en vue d'un plus grand bien, un royaume encore plus haut, plus splendide qu'avant, parce que la chute est plus profonde qu'avant. On est chuté plus profondément qu'au temps du déluge de Sodome et Gomorre, c'est pire. Les prophètes le disent, n'est-ce pas? Donc, on a atteint le niveau de Sodome et Gomorre, donc de la déluge, dans les années 40. Et après, c'est devenu pire en pire. On est pire que dans les années 40. Donc, l'état de la Terre en 1940, c'était comme avant déluge, où Dieu a décidé d'exterminer tout le monde, sauf 300 personnes, et surtout la famille de Noé, qui ont gardé l'état de grâce. Eh bien, donc, voilà, nous attendons avec les apôtres, n'est-ce pas, cette intervention de la Sainte Vierge Marie, qui se fait déjà maintenant, parce que c'est elle qui nous garde, n'est-ce pas? Nous sommes toujours l'Église catholique, une petite partie bien sûr, mais toute l'Église catholique maintenant est quantitativement très petite, et c'est la Sainte Vierge qui s'en occupe spécialement, comme elle s'est occupée du petit Jésus, n'est-ce pas? Qu'elle a aidé de grandir jusqu'à ce qu'elle est venue le Sauveur et le Rédempteur. Eh bien, la même chose est faite avec le corps mystique, avec le petit Jésus mystique, c'est nous, l'Église, et elle va nous accompagner. C'est pour ça qu'elle est Dieu lui a délégué, n'est-ce pas, pendant 2 siècles, 19e et 20e siècle, début du 20e siècle, toutes ces apparitions, elle a reçu la permission de Dieu de venir nous aider personnellement.
Et elle nous a donné les moyens que vous connaissez tous et que vous appliquez la plupart de vous. Le scapulaire, n'est-ce pas, le rosaire, la médaille miraculeuse, la consécration à Sainte Vierge Marie, le premier samedi. N'oubliez pas ça parce que c'est tombé un petit peu en désuétude. Il y a une personne qui vient faire ce premier samedi, mais c'est demandé par la Sainte Vierge Marie. Hein. Donc profitez-en pour avoir des grâces. Pour surtout ceux qui n'habitent pas très loin, n'est-ce pas? Et donc, les moyens que la Sainte Vierge nous donne, et voilà, c'est elle qui va nous accompagner. Elle est maintenant avec nous, comme elle tire Saint Jean en dessous de la croix. Elle est là en dessous de la croix, mais elle sera là dans le triomphe aussi. C'est la même. Elle sera le triomphe de l'Église qui suivra après que les peuples demanderont pardon. Eh bien, restons très fidèles à la Sainte Vierge Marie, parce qu'elle est allée au ciel, elle est exaltée par Dieu, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas comme l'homme, n'est-ce pas, qui trouve la gloire, n'est-ce pas, la puissance, la richesse et l'influence, n'est-ce pas, et l'estime, que souvent il perd la tête, devient orgueilleux, n'est-ce pas, et se fait centre du monde. Il a abusé de ça. Non, avec Sainte Vierge Marie, c'est le contraire. De plus qu'elle reçoit de Dieu par son humilité et son amour de Dieu et de son prochain, de plus qu'elle va nous aider. Voilà. C'est ça la réaction d'une personne sainte. De plus qu'elle a de pouvoir, surtout une mère, n'est-ce pas, qui est très considérée avec ses enfants, de plus qu'elle a de pouvoir et d'influence, de plus qu'elle s'occupe de nous. Et c'est ça la bonne nouvelle, n'est-ce pas? On voit comment Dieu l'a honorée, l'a donné du pouvoir, l'a installée reine. Dans la couronnée reine aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le ciel, eh bien, c'est pour nous aider, comme une bonne mère. Donc, soyons très dévoués à Sainte Vierge Marie pour nous sauver, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un nom Deo, Pater omnipotente, factor in celiem terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex paterna acto, ante omnia saecula, Deum et Deorum et Deorum ide, Deum verum et Deorum verum, genitum non fratum, pensum sociale patri, per quem omnia facta sunt, qui porter nos homines, et porter nostram salutem, descendide et celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pronobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit sicula die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sed et ad lexerantari.
et rerum ventus est cum gloria, iudica et vivos et mortuos, cuius regi non erit finis. Et in spiritum sanctum dominum, et vivificante, qui ex patre filio verbo sceni, qui cum patre et filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et una sancta catholica, et apostolica ecclesia, confiteo unum baptisma in remissionem peccatorum, et respecto resurrectionem mortuorum, et vita naturae seculi. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum oremus. Benedicas panem beatae Mariam, et semen tuum et semen illius.
Per omnia secola seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Avenus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, seguem et salutare. Nos tibi sempre dulce gratias agere. Domine sancte patri potens et Deus. Et in assumptione beate Maria, et semper virginis candidare, benedicere et predicare. Quietum ingentum tuum sancti spiritum oblatione concepe, et virginitas gloria permanente, lumen aeternum mundo effudit, Iesum Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes et mund potestates. Cericium qui virtutus ec beata Seraphim, soce exultatione concelebrans. Cum plibus et nostras voces, sot mitiubias de pecamus, supplici confessione dicentes. Sanctus, Dominus Deus, Salva. Plenis Fanceri et Terra, Gloria Tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Dove scrive peccatori di voi sposi. Domine secola secolorum. Amen. Oremus. Precepte sotaribus politi, divina institutione formate, odemus de incele. Pater nostrum qui in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vita libus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Sed libera nos a malo. Secula seculorum. Amen. Dux Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Thank you.
confiteur de l'hypothèse. Bête Marie, Saint-Père Virginie, Bête Omega, Angelo, Bête Guillaume Baptiste, Saint-Sébastien, et tout le monde est par vous, et vous sentez
Beata benedictions as solos. La fecit mihi mana qui potens est. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sumptis Domine salutaribus sacramentis. Lacrimus ut veritis et intercessione beatae virgines Mariae in caelum assumpte ad resurrectionem gloria benedicamur. Et Domine nostrum Iesum Christum filium tuum. Qui te convivi de trinitate spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone. Compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, sa plus brillante étoile, qui nous entre les cieux, car vous étoile, jetez sur nous les yeux. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne. Chez nous, cette notre mère, portez à votre fils la fervente prière de vos enfants chéris. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous. Combien lourd est la haine, combien
tous les espoirs. Chez nous, soyez là, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux. Qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. Et de, par le vœu de Louis XIII, etc., c'est devenu assez tard, et il fait chaud, il y a des personnes âgées. Donc on va faire le salut, on va faire des manches dans trois jours, n'est-ce pas, qui tombent dans l'octave encore de l'Assomption. C'est pas une octave liturgique, quoique le huitième jour il y a la fête de cœur immaculé de Marie. C'est le huitième jour, la fin de l'octave. C'est une octave dévotionnelle, mais voilà, donc c'est quand même une octave de la fête. Donc on fera, si Dieu veut, le salut dimanche après la messe en l'honneur de la Sainte Vierge Marie, son Assomption et son cœur immaculé. Merci.